Donc, Philippe, tu peux passer à la question 6. Alors, on en revient. Oui, la fameuse question 6. Affectation des résultats 2018, budget principal. Alors, grand A, c'est le budget de la ville d'Avranches. Le résultat 2018 de la ville d'Avranches était de 2 092 990,39, à rapprocher du résultat 2017, 2 084 000, une variation de 8 990,39. En pourcentage, c'est très peu, 0,4%. On a le budget Avranches Eau qui s'affecte sur le résultat 2018, 176 957,33. On en arrive à la commune de Saint-Martin. Donc, résultat 2018, 804 990,69, à rapprocher de 1 065 869,28, une différence de 260 878,59, 24,5%. La commune nouvelle, donc le 2 897 981,08, on va en parler dans l'affectation tout à l'heure, a rapproché du résultat 2017 3 149 869,28, différence 251 888,20, 24%. Donc le tableau 2, les Saint-Martin, Avranches, commune nouvelle, donc le reste à réaliser en dépenses: 4 300 pour Saint-Martin, 963 786,02 pour Avranches, commune nouvelle 968 086,02, dépenses pour Saint-Martin 894 092,12, Avranches 2 955 812,49, commune nouvelle 3 849 904,61, déficit reporté Saint-Martin 277 128,69, Avranches 1 645 879,26, commune nouvelle 1 923 007,95, le total Saint-Martin 1 175 520,81, Avranches 5 565 477,77, commune nouvelle 6 740 998,58. On arrive à la partie recettes. Reste à réaliser en recettes, donc 2018 pour Avranches 366 325,77, variation du même montant. Recettes 2017 pour Saint-Martin 806 715,64, pour le résultat de pour Avranches 4 292 072,61, commune nouvelle 5 098 788,65, le total 806 715,64 pour Saint-Martin, 4 746 551,52 Avranches, commune nouvelle 505 553 267,16. Dernier tableau, pas tout à fait dernier d'ailleurs, déficit reporté 2018 Saint-Martin 364 505,17, donc Avranches 221 466, le total du déficit commune nouvelle 585 971,17. On va statuer sur cette somme-là tout à l'heure. Reste à réaliser pour Saint-Martin 4 300, pour Avranches 597 460,25, cumule 601 760,29, c'est bien un moins, hein, c'est un reste à réaliser. Le résultat affecté, on y arrive. Donc, au niveau de Saint-Martin, 368 805,17, 818 926,25, c'est Avranches. La commune nouvelle, 1 187 731,42, et un moins devant. Donc, le résultat affecté pour la commune nouvelle s'élève à moins 1 187 731,42. L'affectation du résultat 2018 se subdivise de la façon suivante. Donc, on a un total de 2 897 980,08. Virement
Section investissement 2019, 1 187 731,42. L'excédent reporté 2019, 1 710 249,66. Après avis favorable de la Commission des finances, il est proposé au Conseil municipal d'approuver l'affectation de 1 187 731,42 € en investissement au 1068 excédent de fonctionnement capitalisé et l'inscription des reports 1 710 249,66 € au 002 recettes en fonctionnement, excédent de fonctionnement reporté et moins 585 971,17 au 001 dépenses investissement, déficit investissement reporté. Donc, voilà. Bah, je pense que tu peux continuer sur le... Et je continue. Donc, le lotissement, les grives, les mésanges. Le budget présente un solde d'exécution corrigé des restes à réaliser positifs de 499 445. Il n'est pas nécessaire de prévoir d'affectation du résultat de la section de fonctionnement. Donc, on arrive à la question 7, Hervé. Non. Ouais, il faut qu'on puisse... On n'a pas voté. Alors déjà, est-ce qu'il y a cette proposition d'affectation des résultats, sachant que tout cela a été vu en commission des finances, ouais. Ça a été discuté, et que la commission en question a émis un avis favorable, est-ce qu'il y a néanmoins besoin d'éclaircissement ou y a-t-il des remarques ou des questions concernant cette proposition? A priori, je ne vois pas de main se lever, donc on peut passer au vote. Donc y a-t-il des votes contre? Je n'en vois pas, des abstentions peut-être. Donc nous avons 6 abstentions. Je vous remercie.